Ok, alors qu'est-ce que je peux te demander? Imagine un enfant, c'est son anniversaire aujourd'hui, il a 13 ans, l'âge d'avoir enfin son compte Instagram. Enfin, non, c'est vrai que Insta a le même âge que lui et il n'est plus utilisé que par les gens qui ont le même âge que moi, donc un autre réseau social que je connais pas. Il a l'âge de pouvoir repartager en story toutes les personnes qui lui auront souhaité son anniversaire publiquement, à condition qu'il y en ait plusieurs, parce que s'il n'y en a qu'une, bah c'est leur honte. L'âge de pouvoir enfin inventer sa vie, d'être seul, prêt à tout pour se montrer entouré, pour exister. Alors il va falloir publier, forcément, se montrer, partager, se faire repartager, être drôle si possible, c'est mieux. Se démarquer, être là, le faire entendre, le faire savoir, le rappeler, être suivi, être aimé. Il a de la chance parce que lui, il n'a pas connu ce temps terrible où être suivi par des inconnus, c'était flippant. Il va tout faire pour sortir du lot en pensant que c'est ça qui lui fera sortir la tête de l'eau. Il se dit que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Il a lu ça une fois sur le téléphone de sa mère. C'était écrit avec une typo libre de droit sur une photo de coucher de soleil, un truc comme ça. C'était signé Bouddha. Partager tout, n'importe quoi. Tant qu'il y a de la matière, il y a du contenu. Et puis quand il n'y aura plus de matière, eh ben, il en fera du contenu. Un jour, il annoncera qu'à 18h, il fera une annonce qui annoncera que bientôt, il pourra parler d'un projet dont il ne peut rien dire tant que c'est pas fait et qui se fera probablement jamais. Et puis un jour, il fera un post pour dire qu'il refuse de jouer ce jeu-là. Il en a marre, il quitte les réseaux sociaux, voilà. Et puis il restera pour voir qui commentera, qui likera. Il y a des chances que tout le monde s'en foute, mais bon, on s'en fout. Imagine un enfant qui fête ses 13 ans dans un monde où tous les visages autour de lui n'existent pas. Un enfant qui doit se construire dans un monde où tout est faux, rien n'est réel, les gens sont seuls. Et les intelligences artificielles. Voilà, débrouille-toi avec ça.